mesdames et messieurs, et personnes de tout genre. Ladies and gentlemen, and every gender there is. Voici Moumouni! Et nous avons vos commentateurs sur le couch. Nous avons Ben Chausselin! Ben... Applaudissez plus fort! Et humblement pour vous, Xen Warrior, à votre service. Yeah! Le petit moment des stations de « C'est qui, lui? » C'est qui, lui? C'est le bizarre amour. Oui, c'est bon. Ça. C'est le bizarre amour. Donc, okay. Aujourd'hui, le jeu qu'on vous présente, c'est Legend of Doom. Donc, vous voyez au merveilleux costume de Mooney, c'est un élégant mix entre Legend of Zelda 1 qui a été refait dans Doom 1 en tant que mode. Et bon, ça a quand même fou. Ouais! Mais ouais, non, c'est bien le fun. Fait que Mooney, quand tu vas être. Ben, en fait, ouais, tu n'as pas d'headset, fait qu'on fait tu des comptes pour toi? Est-ce qu'on fait un décompte pour toi, Mooney? OK. Parfait. Mooney, tout le monde ensemble? Dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Hype! Hype! Donc, take dangerous to go alone, puis take this. Dommage, je pensais qu'elle allait prendre une de ces affaires-là. Malheureusement, les armes à feu ne sont pas permises dans le monde d'Hyrule. Donc, au lieu de commencer par le level 1, nous allons commencer par le level 3, parce que ça fait une run plus facile. C'est la même run standard, dans le fond, que Legend of Zelda, comme si on le runnait top-down. Exact. Donc, on va faire 3. Après ça, c'est... 4 pour l'échelle. 4. On va chercher le 3 pour le radeau. Mm-hmm. Après ça, le 4 pour l'échelle. On commence par ça, puis on va y aller avec le reste un peu plus tard. Donc, comme vous pouvez voir, évidemment, vu que c'est en tant que Doom, c'est en first person. Mooney, je pense qu'il a fait une new game pendant ça. Ah, je pense qu'il y a eu un... Il a déconfiguré son fire et son secondary fire. Mooney que a fait serait... Mooney. Que serait une run sans un accident de Mooney, hein? Est-on surpris? Donc, oui, alors, comme tu as dit, il va chercher le radeau pour pouvoir aller accéder au reste de la map. Et il y a quelques améliorations et modifications qui ont été faites dans le mode par rapport au jeu de base. Comme exemple, sur l'Overworld, dans le jeu original, il n'y a aucune indication des endroits où on peut mettre des bombes ou des buissons qu'on peut brûler. Donc, il faudrait essayer de gaspiller ces bombes, à moins qu'on suive un guide ou qu'on le sache par cœur, ce qui peut être frustrant pour des nouveaux joueurs. Donc, cette version-là, il y a des cracks sur les murs, sauf dans les donjons, dans l'Overworld, où ce que tu peux mettre des bombes, et il y a les baies sont d'une couleur différente sur les buissons pour que tu saches les identifier pour les brûler. On est au premier boss déjà, en fait, le troisième boss. On vient de le battre. On gagne le cœur supplémentaire et le morceau de Triforce. Yeah! On a déjà un neuvième du jeu de fait. Un neuvième du jeu? Est-ce que vous êtes hype? Je vais entendre un hype! J'ai pas entendu! Hype! Hype! Excellent. Et nous avions aussi des incentives pour cette run-là. Pendant que Mooney sera au niveau 4, oui, allons-y. Alors, je crois qu'ils ont été atteints. Est-ce qu'on peut me confirmer que tous les incentives ont été atteints pour la run de Mooney? Non? Oui. Toaster. Nous le saurons dans un instant. Si les incentives ont été atteints, je crois que oui, parce que il me semble que c'était 8500. Assumons que oui. Assumons que oui. Le dernier donjon va avoir une surprise pour vous qu'il va faire. Et après ça, il va battre le dernier boss d'une façon amusante également. On est-tu rendu à Legend on the map ou... Donc, vu qu'il n'a pas, vu que Mooney n'a pas la candle, des fois, quand il doit faire des dark rooms, ça se peut qu'il navigue avec sa map. En effet. Oui, parce que contrairement à l'original, tu disais qu'il y avait des améliorations, mais là-dedans, on peut se promener même en vue de map. Oui, parce que dans Doom, tu peux toujours ouvrir ta map et juste jouer top-down à partir de ta map comme ça. Donc, l'échelle qui va nous permettre de traverser certaines rivières qu'on a vu dans le donjon 4, qui fait, en fait nécessaire dans le donjon 4 pour traverser quelques poilés vers le boss, en fait. Mm-hmm. Et l'échelle a été configurée d'une drôle de façon dans ce jeu-là. Normalement, ça te permet de faire l'échelle apparaître sur une case sur l'eau et tu peux aller sur cette case-là spécifiquement. Dans celui-là, ça fait « Ah, tu as l'échelle,
toutes les flaques d'eau dans les donjons, tu peux marcher dessus willy-nilly comme si de rien n'était. C'est un plancher normal. Sur l'Overworld, ça fonctionne comme dans l'original, que ça te débloque un carré seulement. Mooney qui ramasse quelques rupies, parce qu'on va en avoir besoin éventuellement, après ce tableau-là, en fait. Mm-hmm. Pour l'instant, on en a 22. Je suis rendu avec, excusez. 22. 22. Pas drôle d'être vieux, on ne veut plus rien. 22, mais ça, c'est ton âge, ça, right? Oui. Oui, oui, hein? Mais pas tout à fait x2, fait que c'est pas si pire. Et on est rendu au fameux dragon à deux têtes. Des têtes qui sont un peu moins dans le chemin que dans l'original, en fait. Et c'était un deuxième boss réussi! Oui. Deuxième morceau de triforce, 2/9 de tête. Donc, si on oublie le petit accident de déconfiguration des contrôles, à date, la run se passe extrêmement bien. Oui, ben c'est juste du Mooney faisant du Mooney, je veux dire. C'est assez attendre. Comme on peut voir ici, il y avait des buissons qui sont d'une couleur différente avec des petites baies. Donc, on sait qu'ils peuvent être brûlés. Donc, pour les joueurs qui voudraient essayer le mode à la maison, nous vous le recommandons fortement. C'est un excellent mode. C'est très amusant. Niveau 1, le niveau de base, en fait, pour dans lequel on commence la run de... On commence, en fait, le jeu de Zelda originalement. Mm. Et ce que j'ai trouvé drôle, c'est que la première porte à gauche était débarrée, comme quand tu dans le vrai jeu, quand tu sors puis tu rentres, ils ont débarré tout de suite au départ. Ça... Ouais. Ça règle le problème. On fait un tour ici, ouais. On s'en va chercher l'arc, en fait, au nord. Et on ignore la map par terre. J'adore comment Mooney fait le détour d'arrivée quand il y a des choses. C'est classique. Habitude, on dirait. Il cherchait sa clé un petit peu. Il l'a trouvé. En fait, je pense que, si je me souviens bien, je réalise, c'est pas que dès que tu débloques l'échelle, ça les map là, mais c'est que le jeu assume, quand tu es dans un donjon, passer l'échelle que tu l'as. Donc, ils n'ont pas loadé l'eau dans les autres levels, mais dans le premier level, il est loadé correctement. Ah, OK. Il me semble aller chercher un item, c'est beaucoup plus long que dans l'original, par contre. Si jamais je me suis trompé dans ce que j'ai dit, ben je suis sûr que l'Internet va se faire un plaisir de me corriger puis de me dire que j'ai des mauvaises informations parce que c'est le sport national de l'Internet. Non. Corriger les gens. Ben, non, toi. T'es pas d'accord? Ben, tu me contredis? Oui, je te corrige. Tu me corriges. On s'approche en fait, on va aller chercher... Non, on va laisser faire le boomerang ici. On a l'avant-dernière... Ah, les mains de face sont creepy là-dedans. Oui. Tactique intéressante d'ignorer le boomerang, parce que le boomerang dans ce jeu-là est automatiquement assigné sur ton clic droit de ta souris. Ah. Donc, tu n'as pas besoin de swapper tes weapons, tes items. Et voilà, un autre boss réussi! On a le tiers du jeu de fait en 6 minutes 38. Ça veut dire qu'à peu près en 19 minutes et demie, ça va être fini. Mm-hmm. Hein? Donc, si je me souviens bien, c'est là qu'on va chercher la White Sword. Oui. Et en fait, non, on va peut-être chercher la chandelle. C'est ça, la chandelle, oui, avant. 74 sous, je regardais les sous, là, justement. Je demandais plus combien il y en avait. J'avais peur de me faire rire de moi encore. On pogne la chandelle. Voilà, la chandelle. Et on a pu voir aussi très, très brièvement, le bouclier a été redesigné pour ressembler au bouclier dans les jeux en 3D, le classique Hylian Shield. On va aller chercher probablement un cœur en cours de route aussi pour aider. Voilà, ici, c'est un cœur. Ah non, on prend une potion, c'est vrai. C'est la seule potion. On n'ira pas chercher la lettre pour aller pouvoir acheter des potions par la suite. Mouni, gaspille pas une potion, s'il vous plaît. Oui. C'est tellement son genre. Et aussi, c'est pas juste pour faciliter l'expérience aux nouveaux joueurs qu'il y a les trucs identifiables facilement qui peuvent être brûlés ou détruits. C'est surtout parce que les joueurs qui sont habitués, normalement, pourraient savoir que c'est le quatrième buisson sur tel screen. Sauf comme on peut voir, les screens se transitionnent. Oui, il n'y a pas de séparation. Exactement, c'est ça. C'est fluide, donc c'est plus difficile à banner d'aller compter tes buissons puis d'espérer avoir la bonne affaire. OK, ils sont pas trop agressifs, au moins, dans le jeu-là. Mm-hmm. On a pogné la White Sword, qui va rendre Mooney plus fort. Et il va maintenant se diriger vers le 5, je crois. Si... Oui, voilà. Oui, le 5, oui. Donjon 5, qu'on retrouve habituellement. Le Whistle. Mm-hmm. Ou la flûte, comme la on dit. Flûte. La flûte. On va dire la flûte parce que je crois qu'on n'est plus autorisé à avoir des gazous sur le stage, Mooney. Oh! Mais non, mais on a notre gazouilleux national, Fred. Je ne vois pas. Oui, bon. Fred. On te salue, Fred. Ah, il est caché derrière. Ouais. Cela dit, on va
descendre pour aller transitionner vers le prochain donjon. C'est bien fait quand même, hein? C'est pas juste... Ah non, on est déjà à la flûte. OK, j'ai cligné des yeux trop longtemps, excusez. La flûte à bec. La flûte. La flûte! Donc oui, c'est une très bonne progression. À date, il n'y a pas vraiment de faux pas qui a eu lieu. Et aussi, quelque chose que moi me fait extrêmement plaisir dans cette version-là, c'est que les Dark Knots, qui sont toujours the bane of my existence quand je joue à Zelda 1, tu peux facilement circle strafe autour d'eux autres et les attaquer toujours dans l'angle qui sont vulnérables. Ouais, c'est ça. C'est pas, ils tournent pas dans la face à la dernière seconde comme dans l'original. Mm-hmm. Et comme on se déplace à la vitesse de Doomguy et que les ennemis se déplacent à la vitesse NES Zelda, ça nous donne un énorme avantage. On vient de pogner un bon gros mouton de roupie parce qu'on va avoir un autre item à acheter éventuellement. Mm-hmm. À date, ça va bien. Mooney qui enchaîne les rooms. On va se l'avouer, ça va beaucoup plus rapidement que Zelda original, ça c'est clair. On pogne quelques bombes en chemin, une clé aussi. Mm-hmm. Donc, nous sommes rendus à deux clés en ce moment. On pogne l'arc et la flèche, mais on n'aura pas besoin. C'était juste au cas où. Voilà, même pas besoin d'attendre de finir la toune. On pogne le cœur et on termine. Le quatrième fragment de Triforce. Je crois que ça pourrait être un bon moment pour prendre des donations si nous en avons en ce moment. Oui, parfait. On a Emily qui a dit « Let's go, Mooney. By the way, beau costume. » Excellent, merci beaucoup. Donc, on s'en va... C'est, je pense que ça, là, on va acheter la viande. On va aller chercher des cœurs pour commencer, parce qu'on va en avoir besoin éventuellement si on va aller... La Magical Sword. C'est exactement. Il faut 10, 11, 12 cœurs? J'ai trop joué Wendo, c'est en 6, c'est 10 ou 12, mais dans l'original, je mangeais un petit blanc. Un peu, c'est quoi qui fait ce bouton-là sur ma console? On a besoin de... Ah, oh, c'est ça, je l'ai dit. On ne l'a pas entendu, c'est dommage. C'est le micro a coupé, hein? C'est bizarre. 12, merci beaucoup. On me souffle... Merci. La réponse, c'est apprécié. Et là, on va aller vers le niveau 8. Pourquoi le niveau 8? Tout simplement parce que il y a le 2 en premier, c'est vrai. Oui, le 2, oui. Qui est juste ici et on tourne à droite. Exactement. Le 8, c'est après. On va aller chercher la clé, mais avant, on va aller faire le 2. Le 2 qui va nous permettre de ramasser quelques rupies supplémentaires, justement, qu'on pourrait avoir besoin pour le prochain achat. En fait, il faut aller chercher la viande pour faire le 7 éventuellement. Mm-hmm. Et justement, parlant de la viande qu'on va aller chercher tantôt, c'est en mangeant beaucoup de viande comme ça que Mooney entretient sa marque de commerce, que je pense pas que j'ai le droit de dire en stream pour pas qu'on se fasse TOS. Ah, d'avoir un gros cul? C'est exactement ça, merci. C'est trompé, c'est « y est un gros cul », c'est pas pareil. Ah, désolé. Donc, c'est plate, il nous entend pas l'écœurer, c'est bien plate. Ça me fait de la peine. Mooney, tu me fais de la peine. Sans sac? Zéro bin ball. À ce temps qu'il y a un casque de moteur, il se prend pour un hot. Là. C'est... Mm-hmm. Mais en même temps, s'il nous entend pas, on peut peut-être demander au public à gauche de dire bouh puis voir si ça le fait réagir. Oh non! Non, on va pas déranger le runner. Il va penser qu'on l'a eu pour vrai. Donc, boss. Ouais. C'est un tableau bien simple à faire. On a déjà 5. Affirmatif. Ouais. 5 morceaux de Triforce à chercher. Et là, je pense qu'on va se diriger vers le 8. Donc, le 8 qui est pas très loin. Quelques écrans. Il n'y a plus d'écran vraiment, mais ça, on s'en approche. Il y a un arbre dans le chemin ici. En fait, il y en a deux apparemment dans cette version-là. Et le 8, où qu'on va retrouver, en fait... Ouais, on n'aura pas cherché de livre, on n'a pas besoin. Fait qu'on va focusser sur la clé magique qui va permettre à Mooney d'arrêter justement d'aller chercher des clés un peu partout. On pourra ouvrir toutes les portes qu'on a besoin et ainsi aller plus rapidement d'un niveau à l'autre. Mooney qui, cela dit, très important de mentionner, n'a pas, va pas chercher de tunique d'armure supplémentaire. C'est vrai, hein? On a des gens dans la foule qui remarquent la petite danse de nos momies. Ouais. Ce que j'allais dire, c'est que, oui, c'est ça, on n'ira pas chercher nécessairement de défense supplémentaire du côté de Mooney, donc, oui... On fait tous la momie? C'est merveilleux. Ça, on peut-tu mettre la caméra 2 secondes sur la foule juste pour montrer le monde qui fait la momie? Ce serait merveilleux. On envoie un peu en arrière de Mooney, c'est bon. Hey boy.
Et là, on arrive au boss, déjà. Mm-hmm. Qu'il faut lui donner des cataractes. Ouais. Et voilà. Hey, vous êtes en caméra, c'est le temps de faire la momie, là. Bien, on fait la momie! Excellent, vous pouvez vous applaudir! C'est merveilleux parce que pendant que tout le monde faisait la momie, il y avait mon nom en haut dans l'écran. C'était comme... Je suis rattaché à ça, à vie. Oui, tu vas pouvoir l'utiliser plus. Avec, ouais, donc, c'est on ça. A été chercher la clé tête de lion. Exactement. Honnêtement, j'ai appris cette année que c'était un lion qui avait ça. Ouais, mais tu sais, je pense qu'on l'a bien établi à quel point ta vision est bonne. Il y a combien de rubis en ce moment? Juste mentionner, par contre, excuse-moi, mais je pense qu'il est important de mentionner, on n'a pas d'écran, comme tu disais. Oui. Mais là, on a vu une situation qu'on ne voit pas dans le jeu original. Il y avait deux types d'ennemis qui, d'habitude, ne sont pas sur les mêmes écrans puis qui ont finalement été sur le même écran. C'est dans le fond, si tu laisses les ennemis survivre et tu sors de la pièce, les ennemis ne sont pas confinés à la pièce dans laquelle ils spawnent. Ils peuvent se promener dans le donjon. Exact. Et même des fois, ça se peut qu'ils en respawnent une deuxième batch par-dessus. Voilà. Et donc, on vient de terminer le sixième. Sixième donjon dedans. Est-ce qu'on peut avoir un hype? Hype! J'ai rien entendu! C'était fait, hein? Ah, comment, ils sont capables de mieux que ça, je pense. Hype! Ah! C'est excellent. De la belle musique à mes oreilles. Mm-hmm. Autant que le fait que Mooney ne nous entend pas, puis il parle pas, surtout. Ah, ça fait du bien. Ça hein? fait du bien, en maudit. Pendant que Mooney se promène avec sa baguette de pain... Ah, oh, oups, c'est une flûte, excusez. On s'en va au prochain, dont... En fait, je pense qu'on va chercher la viande à ce moment-ci. Oui, je crois qu'on va chercher la viande, puis après ça, on fait le... Je crois que c'est le 7. C'est ça, on s'en va vers le haut, ici. En fait, la viande qui est à 60 rupies, si je me trompe pas. Ou 80, ça fait longtemps. Quand tu joues trop au rando, tu oublies les affaires de base. 60, ouais, 60, 60, voilà. Ouais. Bon gut feeling. Ouais, c'est pas payé. Des fois, je suis chanceux. Ouais. Donc, nous avons Doomguy Link armé de son pipeau. Oui, c'est exactement. Son smashing board, puis un pipeau. Sa planche à découper. Exact. Donjon 7, qui est habituellement un très gros donjon quand même. Mm-hmm. Ben, habituellement, il est encore un gros donjon. Par contre, ça va peut-être aller un petit peu plus vite à cette manière-ci. Premièrement, il y a déjà la clé. Fait qu'on n'aura pas nécessairement à vider toutes les rooms à vider. Des fois, on n'aura pas le choix, mais quand même bien équipé pour le moment. Mm-hmm. J'ai l'impression que les ennemis sont un peu plus faciles dans cette version-là que dans la définitivement. Définitivement. Et si jamais, incitatif pour la maison, si jamais on se trompe de numéro de donjon, vous pouvez faire des dons pour avec le message qui nous corrige. Comme ça, on va faire une pierre deux coups. OK, les gens peuvent envoyer des dons pour nous corriger? Oui. Fait qu'on joue à Super Mario Bros. 3. Oui, effectivement. Donc, oui, Super Mario Bros. 3, puis ça, c'est la version Paper Mario Edition. Exactement. Mm-hmm. Sur Game Wii U. Game Wii U, oui. Ça, c'est mon préféré, ça, là. Oui. Mm-hmm. De Sony. Oui, oui, le Game Wii U de Sony, Mario 3, Paper Mario Edition. Voilà. Oui. Pendant ce temps-là, on avait un bonhomme, un des boss pognés dans la porte. Oui, il est encore pogné là. Ouais. S'il était un petit peu plus petit, s'il avait utilisé son pipeau, je pense qu'il aurait pu traverser. On va utiliser la viande qu'on est allé chercher, Grumble Grumble. Grumble Grumble. Ah non, il écrit Gumble Grumble. Oui, c'est ça. Ça c'est mon nom Gamertag quand je joue au Parcheesi. OK. Fait que tu joues au Parcheesi, toi? Ça m'arrive. OK. À l'occasion. S'il y en a qui veulent savoir plus d'histoires de Parcheesi, n'hésitez pas à faire des dons. On va pouvoir en partager. Oui. Donc, c'est plus facile avec un D20 Parcheesi. Ah oui? Oui. Parfait. Là, honnêtement, jusqu'à maintenant, je suivais où qu'on était dans le donjon, mais j'en ai perdu un bout. Oh! Et voilà. C'est pas évident. Quand il n'y a pas de transition, justement, tu perds comme non, le... Mm-hmm. C'est une expérience. Ben, moi, ce que je me dis... Mounier de savoir qui s'en va, ce qui m'étonne. Mais c'est ça, c'est surprenant parce que j'ai vu ces belles pratiques de niveau 9 tantôt, puis ça risque d'être funny. Exactement. Ben là, je viens de comprendre qu'on est. On s'en va prendre l'escalier qui va mener au boss. Il reste juste à passer une bombe à travers le mur, puis on va pouvoir aller battre le boss du monde 7 et aller chercher la 8e Triforce. Mm-hmm. C'est pas lui d'habitude. C'est un cheval d'habitude. Qu'est-ce que c'est ça?
Y a-t-il quelqu'un qui peut faire un don au jeu pour dire qu'il s'est trompé? Mais non, ça, c'est un ennemi qu'on retrouve habituellement au niveau 9. Mm-hmm. Non, ça, habituellement, c'est Birdo qui est dans cette pièce-là. Oui. On me confirme. Ah oui? Je sais pas qui te confirme, mais il a manqué sa shot, ça, c'est clair. Et voilà. Donc, niveau 17 de complété. 8e. Try for Peace. Oui. Et je crois que ce sera un excellent temps pour prendre des dons si on en a reçu. Oui, on a un don de Cindy qui dit « vise le poil de ses narines ». Fait que c'est chanceux qu'il porte une casque aujourd'hui. Excellent. Ben, merci beaucoup. Merci. Et donc, on s'en va. Là, on a fait le petit truc. Ça se voyait pas très bien comparé à l'original, mais on a fait le petit truc pour aller vers le cimetière, pour aller chercher la Magical Sword. Magical Sword. Sinon, j'ai un défi pour les gens à la maison. Okay. Et même ceux ici, s'ils veulent. On va essayer de faire chacun un don. Vous pouvez faire le plus petit montant possible. On va essayer d'écrire Mooney une lettre à la fois, collectivement ensemble. Et après ça, on va demander confirmation si on a réussi à avoir des dons qui rentrent de façon consécutive, qui écrivent Mooney sans erreur d'orthographe. OK. Mais Mooney, c'est une erreur d'orthographe en soi. Oui, oui. Là, on arrive au niveau 6 où habituellement les Wiz Robes sont assez emmerdants, mais ils ont l'air pas si pire dans ce jeu-là. Ils ont l'air pas si pire que ça, sérieusement. Mm-hmm. Et les like-like, qui normalement, je ne les like-like pas, ceux-là. Mais ça, dans ce jeu-là, ils sont pas si pires. Ça se peut-tu passer trop de temps sur Facebook des fois? ça se pourrait. Je hein? ne répondrai pas à cette question sans la présence de mon avocat. Check sur Facebook, il doit être là. Déconnecté. Donc, ici, on n'a pas. Ben, on a un trésor qui est la Magical Rod, mais on n'en aura pas besoin dans cette version. On a juste à battre le boss pour aller chercher le dernier morceau de cœur. Ben, le dernier morceau de Triforce plutôt, pour compléter la Triforce et ainsi ouvrir le chemin vers la. La Ganon Tower, je t'allais de passe, moi. Le level 9, voilà. La Ganon Tower, c'est bien ça. Oh, oui, c'est plus dans la Mountain, Dead Mountain, mais. Je pense que c'est le château de Casterly Rock. Oui. J'ai saigné du nez à l'écouter, c'est bizarre, hein. C'est le château dans la roche. Ah, ouais, ouais. T'as réussi à me faire taire, c'est bon, bravo. J'ai comme pogné un fixe d'un coup. C'est ma spécialité, c'est Mooney qui déteint sur moi. Là. Ouais, c'est ça le problème, je pense. Donc, nous approchons le dernier level, donc nous allons avoir accès à nos incentives, n'est-ce pas? Oui. Ben, est-ce qu'on l'a? Mooney, es-tu dans le dernier niveau? As-tu quelque chose à faire en ce moment? On avait dit que la manette, c'était tout le long. Puis que le code, c'était à la fin. Mesdames et messieurs, Mooney qui est sûr de ce qu'il fait. Donc, nous devons montrer à la caméra. Mooney, tu peux lever tes mains. Mooney va maintenant jouer le dernier niveau avec une chainsaw! Tu peux rebaisser tes mains un petit peu, Mooney. Ouais. T'as oublié de la partir, Mooney. Faut que t'as craigne. Yes! Pourquoi j'ai une mauvaise image de Mooney dans le bois à se battre avec une épinette? Ben, moi, je suis surpris. On n'entend pas vraiment les sons de chainsaw. J'aimerais ça entendre des sons de chainsaw du public. Wow! Wow! Oh là! J'espère qu'on l'a entendu sur le stream parce que c'était excellent. J'ai vraiment cru, j'y ai cru. Ah oui? Alors, on a reçu deux dons pour la lettre M de Annie C. Angel puis les pixels perdus. Puis on a aussi Cindy qui a fait un don pour la lettre O et Marth SR qui a fait Mooney consécutivement. On a gagné, bravo! Combo Breaker! Donc, oui, c'est une façon de le faire. Ben oui. Mooney qui est maintenant dans une room remplie de wizards. Là, ça reste que niveau 9 à la base, même dans le jeu Vanilla, il est un peu difficile à retrouver. Et
Normalement, on avait voulu faire que l'incentive, c'était que Mooney, en plus d'avoir la manette Chainsaw, rentrait un code de triche dans le jeu pour avoir une Chainsaw dans le jeu. Mais malheureusement, de la façon que le jeu est configuré, si on rentre le code, on a la Chainsaw. Puis là, si on a besoin de faire exploser un mur avec une bombe, on doit changer le weapon pour sortir la bombe et la Chainsaw n'est plus accessible pour le reste du jeu, même si on re-rentre le mot de passe. On peut pas le cheeser. Non. Donc, à partir de la dernière bombe, Mooney va pouvoir rentrer son code. J'essaie de le dire assez fort pour qu'il s'en souvienne. Parfait, il m'a fait un thumbs up. Mooney, tu rentres le code! Quand tu as explosé le mur. Ah bon, il a pas compris. Je pense qu'il est en train de manger un sous-marin. Bref. On va arriver au champ de patates, mais qu'on traverse la rivière. Mm-hmm. Et comme on peut voir à date, nous sommes en excellente vitesse par rapport à l'estimate. Oui. Et ça, c'est parce que on a. Quand il y avait eu le post-mortem par après, on avait dit Mooney, c'est pas compliqué. Et voilà, la Chainsaw est là! Chainsaw hype! On nous avait dit, on sait qu'avec Mooney, on s'attend toujours à n'importe quoi, donc on va doubler l'estimé qu'il nous donne. Juste au cas où. Juste au cas où. Je tiens à dire que j'aime mieux le son de Chainsaw qu'on avait dans la foule de Master Fred tantôt. Oui, effectivement. Est-ce qu'on peut avoir un rappel, Master Fred? Ça s'en vient qui dit. Ah! Yeah! Ganon qui se passe à Chainsaw! Et passer à la Chainsaw. Il est encore là, mais il est gardez, caché. Gardez et ça. Voilà, on le voit. Ah oui. Même pas besoin de Silver Arrow. Ben pourquoi des Silver Arrow? Pourquoi Silver Arrow quand t'as la Chainsaw? Yeah! Et on l'a eu! Voilà! Ganondorf, l'autre porte, Mooney. Passe à la princesse à Chainsaw! Et c'est une victoire de Mooney! Oh, qu'est-ce que tu as là, Mooney? Ce sera pas long, on y arrive. Qu'est-ce que tu nous sors là? Oh! Veuillez patienter. Hey voilà. Boy. C'est la tête de Ganon! Monte-la à la caméra, Mooney, s'il te plaît. Et voilà! Et sinon... Pourquoi j'ai le goût d'être gentil avec Mooney d'un coup? Oui! Et sinon, on avait une petite demande spéciale. On aimerait que G-Virus vienne nous rejoindre sur le stage, s'il vous plaît. G-Virus. G-Virus est demandé sur le stage. Il s'en va le chercher, qu'on nous dit. Parfait. Correct. Pendant ce temps-là... Mooney, est-ce que tu veux mettre ton casque et parler avec nous? C'était Mooney tout ce temps! L'appel... Ah, il s'en vient! Parfait. Donc, nous avons G-Virus qui arrive à l'instant. Il me semble qu'on se connaît, vous. Premièrement, on aimerait te remercier pour le bel event, pour les invitations et le plaisir que tu apportes et les dons collectés. Merci énormément. Et deuxièmement, on tenait à s'excuser pour l'année passée pour nos niaiseries avec une tour Jenga. Donc, nous t'offrons un petit cadeau. C'est une grosse bouteille de sauce l'ouvrir, piquante. Ben oui, tu veux l'ouvrir. Oui. Remets ton casque, toi. ça fait pas de tic-tic, c'est pas si spécial. Est-ce que tu veux qu'on tienne le micro? Tiens, comme ça. Du ASMR de cadeau qui se fait ouvrir. C'est une magnifique tour Jenga. Va y venir tu vas semaine. Pouvoir jouer à la maison. Oui, je vais pouvoir l'acheter à mon Jenga Troll, mon Jenga Mario, mon Jenga Barbie. T'as genre toute la gamme. Yes! Merci beaucoup. Donc, il va être disponible dans la salle de jeu dans la section board game. Yeah! Donc, merci beaucoup de nous avoir joints pour cette merveilleuse Mooney Adventure dans Legend of Doom. Yes! Il faut quand même reconnaître que c'est de loin la run la moins weird que Mooney a amené. C'est vrai! c'est triste en quelque part! Mais le costume, il est on point pour vrai. Ben oui. Applaudissements pour vrai pour le costume à Mooney, il était carrément.
plus la merveilleuse tête. Ça me donne vraiment envie de jouer au Trollball maintenant. Fait que là, c'est fini, là? Je m'en Je pense que oui, c'est fini. Bon. Tu fais ici encore? C'est ton show, mais t'es sur le stage, va-t'en. Ok, c'est bon.